Et bonjour à toutes et à tous. Alors vous m'excuserez, j'ai disparu pendant un petit moment. J'ai chopé une angine de mort. J'ai encore le nez bouché, ça doit s'entendre. De toute ma vie, j'ai jamais eu une angine comme ça. Pour vous dire, je suis allé faire, j'ai fait un test Covid même. Je me suis posé la question parce que j'ai jamais eu une angine aussi violente de toute ma vie. C'était une angine dopée à l'EPO. Celle-là, elle est prête à faire le Tour de France direct. Mon Dieu, et j'ai encore là. Ça fait plus d'une semaine et j'ai encore le nez bouché et ça s'entend. J'ai parfois la voix un peu enrouée encore, même si j'ai plus mal à la gorge. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, je voulais faire cette petite vidéo simplement pour faire un petit bilan de l'année. Et le bilan de l'année, bah, on a la Series X qui est là, qui a bien tourné cette année. Il y a eu un peu moins de jeux que les années précédentes parce qu'il y a eu beaucoup de reports et tout avec le Covid. Mais on s'est quand même pas mal amusé. La chaîne a passé le cap des 1000 abonnés. Et pour ça, je voudrais vous remercier. J'ai un chat qui fait le con derrière. Je voudrais vous remercier de ça. Parce qu'on a passé le cap des 1000 abonnés. Et j'espère qu'on va grimper encore plus vite pour cette nouvelle année. Pour ce qui est du futur de la chaîne, déjà février-mars, il va y avoir du contenu en plus par rapport à ce qui était prévu. Tout simplement parce que. Voilà. Et j'ai pas que la manette. Hein. Je ne sais pas si on va la voir. Là, derrière, on la voit normalement. J'ai la PS5 depuis, par rapport à quand je tourne cette vidéo, depuis hier, voilà. J'ai réussi à la choper. Donc, toi qui va y avoir février, il y a Horizon, et mars, il y a Gran Turismo 7. Donc, qui sont deux vidéos qui n'étaient pas forcément prévues, puisque j'avais pas la console. Mais du coup, bah, vous pouvez être sûr qu'il y aura des vidéos sur ces jeux-là, au moins une vidéo sur chacun des jeux. Et même si Gran Turismo, je pense qu'une vidéo, ça suffira pas. Il y en aura peut-être une deuxième, et puis peut-être qu'on fera une petite série, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera du contenu en plus. Pour ce qui est du contenu spécifique, à chaque fois, comme je vous le dis, cette idée que j'ai de refaire ce que j'avais fait à une époque qui s'appelait le plein d'infos, de prendre par exemple l'histoire de Nintendo, machin. On n'en parlera pas cette année parce qu'à chaque fois, je vous dis, ça me trotte dans la tête et finalement, ça ne sort jamais. Parce que j'ai pas le temps, parce que je ne sais pas comment le tourner exactement, parce que. Voilà, donc pour l'instant, je ne vais pas en parler. Ça viendra quand ça viendra. Peut-être que ça viendra jamais. Peut-être que ça viendra dans un mois. Peut-être. J'en sais rien. Donc je ne vais pas en parler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va continuer l'année comme on a fini 2021. Je vais faire le maximum avec le temps que j'ai, avec les moyens que j'ai, parce que je reçois rien. Après. Si les abonnements continuent de monter, peut-être qu'à un moment, j'aurai quelques contacts et que je commencerai à avoir quelques jeux un peu en avance. Mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais cherché ça non plus. Maintenant, si ça arrive, on va pas être hypocrite. Bien sûr que si un studio me contacte et me propose de m'envoyer un jeu, que c'est un jeu qui m'intéresse, que je voulais vous faire et qu'on m'impose rien dans ce que je dois dire, j'accepterai, bien sûr. La seule condition qu'on m'impose rien et que je puisse faire ce que je veux et dire ce que je veux, bien évidemment, parce que alors là, sinon, non seulement j'accepterai pas, mais alors en plus, je ferai une autre vidéo derrière pour les aligner et pour montrer les preuves de ce qu'on m'a demandé. Parce que moi, personnellement, je trouve ça inadmissible. Après, il y en a qui vivent de ça. Bah, écoutez, tant mieux pour eux s'ils arrivent à dormir après. Moi, je peux pas. Voilà. Mais on va pas être hypocrite, bien sûr que si un studio me contacte, enfin l'éditeur me contacte, me propose de m'envoyer le jeu une semaine avant la sortie, me dit tu peux faire une vidéo 3 jours avant la sortie, mais tu fais ce que tu veux, tu montres ce que tu veux. Ou alors même s'ils me disent tu peux pas trop montrer ce mode-là ou quoi avant la sortie, parce qu'on veut garder le secret et tout, pas de problème. Mais si les mecs me disent tu fais le format que tu veux, tu dis ce que tu veux, bah, bien sûr que j'accepterai. Faut pas être hypocrite. Mais sinon, bah, on continuera. Comme on l'a fait cette année, je continuerai de vous faire les vidéos en 4K, en 60 images secondes quand le jeu tourne comme ça. Ça fait des rendus qui sont longs. Ça fait des uploads qui sont longs aussi parce que j'ai pas la fibre encore. Ils ont fibré mon village, mais je les ai vus venir même devant la maison, moi. Mais après, vous connaissez la France, hein. Et certainement des mois et des mois de paperasse avant que un opérateur puisse se raccorder au truc et proposer des abonnements. Donc pour l'instant, j'en suis là.
J'ai un abonnement 5G maintenant. Enfin, en fait, mon abonnement a évolué automatiquement vers de la 5G. Mais chez moi, il n'y a pas de 5G, il n'y a que de la 4G. Donc, je ne pourrais même pas me servir de la 5G pour uploader, pour aller plus vite. Parce que j'ai de la 5G quand je vais dans la zone commerciale à un peu moins de 10 km de chez moi. Mais chez moi, après sur la route, il y en a encore un petit peu. Et après, une fois que j'arrive chez moi, c'est que de la 4G. Il n'y a pas de. On capte très bien la 4G, mais il n'y a pas de 5G encore par ici. Après, c'est la France, hein, vous savez, hein, tout va mettre 10 ans à se développer, là où les autres mettent un an ou deux. Mais bon, c'est comme ça. Après, moi, tout ce que je demande, c'est que la fibre arrive. Ils sont en train de fibrer le village. Ils ont fibré mon quartier. Sur le site de Orange, c'est marqué. On arrive à la limite du votre quartier est fibré. Donc je pense que ça devrait bouger dans l'année là, j'espère. Et ça me permettra de gagner encore du temps. Après, j'ai toujours mes horaires de boulot, j'ai toujours ma famille, j'ai toujours. Donc il y a des moments où je ne peux pas vous faire le jeu. Ben, vous imaginez qu'il y a des moments où il n'y a pas de pré-téléchargement. Donc des fois, il faut télécharger 50, 60, 80 gigas le jour de la sortie. Qu'en plus, si ça tombe à un moment où je bosse, genre de 13h à 21h, ben, je peux vous tourner la vidéo que le soir. Derrière, j'enchaîne le montage. Je fais le rendu pendant la nuit. Le lendemain matin, je mets à uploader. Et après, il faut que YouTube propose la 4K. Donc, c'est impossible d'avoir la vidéo le jour de la sortie. Donc, je fais le maximum, mais sachez que moi, c'est pas mon métier. J'ai un métier à côté, donc je peux pas toujours faire comme je veux. Si je recevais les jeux 2-3 jours avant même, ce serait beaucoup plus facile. Mais c'est pas le cas. Donc je ne peux pas faire autrement. Sinon, bah écoutez, je tenais à vous remercier quand même pour le cap des 1000 abonnés. Surtout que moi, je demande jamais de pouces, d'abonnement, de trucs comme ça. Donc ça me fait vachement plaisir. Et on va continuer. On va continuer cette année 2022 comme on a fini 2021. Je commence à avoir le nez bouché, ça y est, c'est mort. Donc je vais vous souhaiter une bonne année à toutes et à tous. Je vais vous dire, comme je vous dis tous les ans, de ne pas faire les cons sur la route, de ne pas picoler, prendre la voiture après, parce qu'en plus de vous flinguer vous, vous pourriez flinguer une famille qui n'a rien demandé. Donc faites pas les cons. Et on se retrouve. Alors, au mois de janvier, je pense que ça va être assez léger en sortie. Parce qu'il n'y a pas grand chose. Par contre, je vais vous faire certainement une vidéo setup, parce que ça fait longtemps que j'y pense. Mais j'ai toujours un truc en tête à changer. Là, normalement, pour l'instant, avec le fric que j'ai dépensé là, je vais rien racheter en plus pour l'instant. Donc, je vais vous faire une vidéo setup au mois de janvier, puis après, on verra. Peut-être un let's play sur le jeu Marsupilami. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Donc, j'espère que mon nez va vite aller mieux. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.